Oui, oui, bonjour, c'est Alain Lambert, le nouvel élève. Vous pouvez m'ouvrir, s'il vous plaît? Oui, d'accord, bah j'arrive. Merci. Oui, je suis complètement détrempé. Oh, on dirait qu'il sort du bain. Oh. Donc, je vous ai apporté mes dessins. Oui, oui. Je suis complètement glacé, moi. Vous avez mauvaise mine. Ouais. Donc, je vous ai apporté tout ce que j'ai fait. Oui. J'espère que ça va aller. Je vais faire voir. Faire voir mes aquarelles, donc voilà, c'est lentille. Ah, que j'ai peint. J'ai reconnu lentille, oui, oui. Pas mal, hein. C'est bien. Et vous en avez pas avec plus de rouge? Ah non, non, non. Moi, tu vois, jeune homme, quand j'ai pas de bleu, moi, je mets du rouge. D'accord. Ah, Picasso. Ouais. Vous avez vu une autre situation géographique? Oui, oui. Moi, je peins pas ce que je vois. D'accord. Ah, bon. Je peins ce que je pense. Ah bon. Picasso encore. Bah, donc ça, c'est lors d'une balade que j'ai... Oui, 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 non mais j'ai vu Riton la semaine dernière. Riton. Toulouse-Lautrec. Il m'a dit, la peinture, c'est comme la merde. Ça sent, ça s'explique pas. Donc il y a beaucoup de boulot, mais on va tout refaire. D'accord. Tintin. Tintin. Tintin, c'est... Tchac, 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 tchac. Ah ouais. Impeccable, ouais. Et... son autre copain, là, le... Haddock. Le... Voilà. Haddock. Le... Oui, oui. Vous l'avez pas? Non, ah non, non. Oh, non. Donc là, j'ai un ours. Ah, on dirait l'ours cannelle qui... Ours cannelle. Qui était, oui, perdu à Roncevaux, oui, oui, je... on le voit bien. Oui. Ours cannelle, Roncevaux, ah d'accord. Oui, oui, oui. Perdu à Roncevaux, d'accord. Non, mais là, faut vous mettre en tenue, puis on va tout refaire. J'en ai d'autres, là, oui, encore. Oui, oui, hein. Mettez-vous... Vous n'avez pas à peindre comme ça? Non, 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 j'ai amené le... Eh ben, allez-y. Ouais, je me change. Oui, oui. Bon, d'accord. Non, parce que sinon, j'en ai d'autres, hein. On verra. Ouais, bon. Voilà. Allez, on n'a pas que ça à faire, on a un métier, oui, hein. Oui, j'arrive. Ouais, il n'a pas dû servir souvent, il est encore bien froid. Ah, hein. Si. Ouais. Mais je l'ai lavé depuis, hein. Ah, puis vous voyez, j'ai mis le plus beau, hein. Aujourd'hui... Les champêtres. C'est un fait maison, celui-là, hein. C'est un exemplaire unique. Faites là, mon petit. D'accord. Ok. Voilà, je te mets là, mon petit, comme ça, Claude pourra te croquer. Me croquer? Oui, faire une caricature, ça mettra un peu de hauteur, d'intelligence dans notre atelier. Ah, d'accord. J'ai quand même pas tout crayonné moi-même. D'accord. Voilà. Va me croquer. Voilà, ça y est. Tiens, je t'ai apporté une toile. C'est pas un paysage ou un portrait. Ah, mais là, ça, c'est ça, pas un tchac 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 tchac, ça c'est une spirale. D'accord, comme ça. Voilà. D'accord. Hein? Bon, qu'est-ce qu'il te faut? Bah, des pinceaux. Tiens. Mais c'est un pinceau à bout carré, ça, non? Qu'est-ce que t'es bête? C'est une brosse. Ah bon? T'en veux un plus petit? D'accord. Et t'as de la couleur? Tiens. Parce qu'il y en a qui transforment des soleils en points jaunes, et il y en a qui transforment des points jaunes en soleil. Ah oui, ok. Picasso. D'accord. Le premier mérite d'un tableau, c'est d'être une fête pour l'œil. Eugène Delacroix. Ouais, mais je sais pas par où commencer, moi. Peintre, écrivain, on a tous l'angoisse de la page blanche. Le blanc... C'est l'innocence, c'est la pureté,
c'est le luxe, c'est l'élégance, c'est la joie. C'est pas un artiste, c'est un sorcier africain. C'est même un anti-artiste. Ouais, mais j'ai peur de me planter dans les proportions. Je sais pas comment faire. Le grand ennemi de l'art, c'est le désordre. Michel Orchamp. Le grand ennemi de l'art, c'est le bon goût. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Michel. Le grand ennemi de l'art, c'est le bon goût. Marcel Duchamp. L'art est le culte de l'erreur. Francis Picabia. J'ai pas envie que ça ressemble à une tarte tatin, hein. Écoute bien, petit. Qui pense peu, se trompe peu. Leonardo da Vinci. Ah bon? Je croyais que c'était Leonardo DiCaprio, moi. Je suis sûr qu'il va se faire recadrer. L'art gouverne tout. Ne craignez pas d'atteindre la perfection. Vous n'y arriverez jamais. Salvador Dali. Salvador l'a dit, Henri Salvador l'a dit. Et le centre du monde, c'est la gare de Perpignan. Salvador Dali aussi. Bah dis donc, je crois qu'il a fait un carton, là. Ah, ça pour parler, hein. Marine et Marie-Louise, à l'oral, vous êtes vraiment les meilleurs. Hein. Oh, l'autre, il pense peut-être nous impressionner. Oh, bah, je crois qu'il se prend pour un fou. Il ne faut pas faire un salmigondi de caricaturiste. Il faut faire une sorte d'homothétie rétroactive. Alors lui, il en tient une couche. Oh bah oui, puis même une sous-couche. Faut tout reprendre là, hein. Ah bon? Oui. Vous croyez? Oui, oui. Jamais le soleil ne voit l'ombre. Léonard de Vinci. Après. Après. Voilà, ça remique là. Oh! Un tableau comme ça, vous pourrez le faire à Porquerolles, hein. Allez. Je vais voir les filles, moi. Salut les filles! Mais c'est rigolo ça! Au stabilo? Ah ouais, c'est rigolo, hein? Ouais! Ouais! Oh! On dirait un vitrail! Il faut capter la lumière et la jeter directement sur la toile! D'accord. Claude Monet! Bon, monsieur Lambert, tu viens travailler ou tu continues à parler là-bas avec les filles? Parce que ça commence à bien faire, le cours va bientôt être terminé. Hein. Il pourrait nous parler sur un autre ton quand même. Hein. On pourrait peut-être aller casser la croûte. Oui. On peut peut-être se faire une toile aussi. Hein. Ah ouais. Et puis d'abord, le cours est terminé. Allez, on ferme. Comment terminer? Mais, quelle heure c'est?